Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. What you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, Inshallah. J'avais décidé pour les deux rencontres que nous avons aujourd'hui de parler sur le plan interne et demain de parler des défis par rapport au monde en mutation. Qu'est-ce que c'est que ce monde en mutation et comment pouvoir y répondre? Un des domaines, c'est l'économie et la finance. Maintenant, ça pourra peut-être permettre de faire le lien avec demain. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on appelle finance et tout dépend de comment ce qu'on qualifie la question islamique. À l'heure qu'il est, et encore une fois, pour ça, je vous renvoie vraiment, on a par exemple, nous, au mois de juin, un séminaire très spécialisé sur l'économie et la finance islamique, avec des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, et on fait un travail très pointu là-dessus. Moi, j'ai parlé et j'ai écrit là-dessus, dans la réforme radicale et avant ceci, dans les musulmans d'Occident, l'avenir de l'islam. J'ai deux chapitres là-dessus, où je traite de ces questions de façon un peu approfondie. Mais dans le centre que je dirige maintenant, qui est sur l'éthique et la législation islamique, on parle de l'économie, c'est un de nos domaines de travail où j'essaye de mettre en évidence le fait qu'il faut aller beaucoup plus loin sur ces questions-là. C'est que malheureusement la finance islamique a été souvent chez un certain nombre de penseurs ou d'économistes l'islamisation des moyens et pas l'islamisation des finalités. C'est-à-dire, quel est l'objectif de la finance? Qu'est-ce que l'on veut exactement? Est-ce qu'on va changer uniquement le caractère de l'intérêt, de l'usure ou de la spéculation? Ou est-ce que c'est les objectifs que l'on veut reconsidérer? Est-ce qu'on veut faire la même somme d'argent avec d'autres moyens? Est-ce qu'on veut faire la même somme d'argent avec des moyens qui sécurisent? Ou est-ce qu'on veut questionner le système lui-même? Ça, c'est une question de fond. Et nous apercevons que parmi les économistes et parmi ceux qui s'intéressent à cette finance-là, la réponse, elle n'est pas toujours très très claire. Donc, je n'ai pas le temps ici de rentrer dans ces considérations-là. C'est une discussion un peu plus spécialisée. Je vous renvoie à deux ouvrages sur lesquels j'ai traité de cette question-là. Le travail du centre, on a un site... kylecenter.org, où vous avez des articles qu'on publie sur l'économie ou sur la finance, et puis on fait ce travail là. Vous pouvez aussi passer au stand où vous pouvez mettre votre nom, parce que ça, moi ce que je veux, ce sont des gens comme vous qui travaillent dans ce domaine là, qui sont des étudiants, soit en doctorat, soit des personnes ordinaires, qui soient en contact avec le centre pour nous permettre d'aller plus loin dans la réflexion, de voir qu'est-ce que vous proposez vous-même. Donc ça, c'est au centre, vous pouvez mettre, c'est au stand, vous pouvez mettre votre nom. Mais je suis, de ce point de vue-là, critique sur l'état actuel de ce qu'on appelle la finance islamique. Je n'y vois absolument pas une alternative aujourd'hui. J'y vois une adaptation de l'intérieur qui n'est pas une alternative pour l'ordre économique ou financier international. Mais ça... Non, j'ai dit dans l'état dans lequel elle se trouve en ce moment, la façon dont on le traduit en ce moment. Est-ce qu'il peut y avoir de nouvelles considérations? J'en suis certain. De nouvelles perspectives? J'en suis certain. Mais c'est même pas que j'en suis certain, c'est une nécessité, un impératif. Nous devons trouver des moyens de nous sortir de l'ordre financier international comme de l'ordre économique international. C'est une nécessité de notre contribution. Mais je ne suis pas sûr que nous avons choisi la bonne méthode. Voilà, ça c'est ma position. Wallahu a'lam. Wa a'la wa ahkam. Decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope.